Je vais poser la première question. Esprit, es-tu là? Si oui, dirige le petit morceau de bois sous nos doigts sur le oui. Esprit, es-tu là? Si oui, dirige-toi sur le oui. S'agiter autour de nous. On va essayer de leur montrer comment déplacer l'objet peut-être. Cet objet vous permet de répondre à nos questions en faisant glisser le petit objet qui se trouve sous nos doigts, qui s'appelle une goutte. Vous pouvez glisser comme ceci vers le oui ou vers le non. Nous allons recommencer la question. Esprit, es-tu là?
Si oui, dirige-toi sur le oui. Vous pouvez utiliser notre énergie pour déplacer la goutte. Allez-y, approchez-vous. Est-ce que c'est vous qui faites bouger l'objet juste à côté de nous? Si oui, dirige-toi vers le oui. Est-ce que vous êtes encore avec nous?
Prenez notre énergie pour répondre à nos questions, s'il vous plaît. Déplacez l'objet sous nos doigts. Est-ce que vous êtes avec nous maintenant? Esprit, est-ce que tu veux communiquer avec nous? Si oui, va sur oui, sinon, va sur non. Plus fort. Est-ce que tu comprends ma question? C'est ça, encore. Esprit, es-tu avec nous en ce moment? Une connexion là.
Hein, Mathieu? Esprit, est-ce que tu es avec nous en ce moment? Est-ce que c'est toi qui fais bouger le petit morceau de bois sous nos doigts? Allez-y, plus fort. Plus fort, allez-y, vous pouvez le faire. C'est très bien. Merci beaucoup. Continuez. Encore un effort, allez-y. Allez-y, vous y êtes presque. Encore un effort. On va réessayer encore une fois. Esprit, es-tu là? Dieu.
Esprit, si tu es avec nous, dirige-toi sur le oui. C'est juste à côté. Tu peux le faire. Encore un effort. Est-ce que tu peux nous dire combien vous êtes dans cette maison? Je répète ma question. Peux-tu nous dire, s'il te plaît, combien d'entités vous êtes dans cette maison, s'il te plaît? Allez, plus fort. Est-ce que tu peux me dire si vous êtes bien deux dans cette maison, s'il te plaît? Si oui, va sur le oui.
Je répète ma question. Êtes-vous bien deux dans cette maison? Si oui, va sur le oui. Est-ce que tu es toujours avec nous? Esprit, es-tu toujours avec nous? Si oui, va sur le oui. Esprit, es-tu là? Au centre. Mathieu, ça va pas, tu le dis, hein? Simple. Est-ce qu'on vous dérange?
Nous essayons d'établir un contact avec vous. Et juste après celui-ci, nous allons partir. Donc si vous avez un message à nous adresser, c'est maintenant. Ou un message à adresser à Mathieu, par exemple. Et pour cela, nous avons besoin d'une connexion. Est-ce que vous êtes toujours avec nous? Est-ce que vous pouvez répondre à ma question, s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes bien avec nous en ce moment même? Allez-y, continuez. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, combien vous êtes dans cette maison? Vous êtes trois, est-ce que c'est bien ça? Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous donner les premières lettres de votre prénom? I. R. E. Ensuite, N. Est-ce que votre prénom est Irène? Je répète ma question, est-ce que votre prénom est Irène?
Est-ce que votre prénom est Irène? Bien, merci beaucoup Irène. Est-ce que vous pourriez nous donner le prénom de la deuxième personne qui est avec vous? S. I. V. A. I. Est-ce que la personne qui est avec vous s'appelle bien Sylvain? D'accord. Depuis combien de temps êtes-vous ici? Est-ce que vous le savez? Pouvez-vous nous dire combien de temps? Très bien. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez me donner le nom de la troisième personne qui est avec vous? Donc, il y a Irène, il y a Sylvain et la troisième personne, s'il vous plaît. Quel est son prénom? R. Y. R. X, non.
O. L. Ensuite, s'il vous plaît. Peut-être, oui. Est-ce que vous êtes en train de me dire que vous êtes que deux, Irène et Sylvain, c'est ça? Quel âge a Irène, s'il vous plaît? Je répète ma question, est-ce que vous pouvez me donner l'âge d'Irène? Vous pouvez me donner l'âge de Sylvain. Quarante-sept, c'est bien ça? Est-ce que c'est bien 47 ans? Très bien, merci beaucoup. Est-ce que vous êtes heureux que l'on discute avec vous aujourd'hui? Est-ce que l'on vous fait peur? Est-ce que vous souhaitez que l'on s'en aille? C'est très gentil. Et est-ce que vous avez besoin d'aide? Est-ce que vous avez un message à faire passer à Mathieu, par exemple? Est-ce que vous avez quelque chose à lui dire? Allez-y, dites-nous quel est ce message. On ne comprend pas bien ce message. Est-ce que vous pourriez recommencer, s'il vous plaît?
T. Ensuite. H. I. A. S. Mathias, c'est bien ça? Tu connais Mathias? Est-ce que vous voulez qu'on continue la séance? Ou est-ce que vous voulez qu'on, est-ce que vous voulez qu'on continue la séance? Est-ce que vous vous sentez bien ici, dans cette maison? Est-ce que vous voulez partir? Est-ce qu'on peut vous aider? M. O. R. T. Est-ce que vous savez que vous êtes mort? Ça devient un petit peu difficile là. Est-ce que vous avez de bonnes intentions vis-à-vis de Mathieu et sa famille? Ça bouge pas, je dirais oui. Mmh. Sachez en tout cas que Mathieu et sa famille n'ont aucune mauvaise intention vis-à-vis de vous, bien au contraire. Ils acceptent volontiers de partager cette belle maison avec vous et en espérant que tous ensemble vous arriviez à cohabiter ensemble, bien sûr, en toute tranquillité. Est-ce que vous avez un autre message à faire passer avant qu'on arrête la séance? P. E. R. R encore.
Allez-y, continuez. U. Je ne comprends pas le message. U. Nous savons que c'est difficile. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces messages. Et j'espère, je sais pas quoi dire. Merci beaucoup, mis à part merci, je ne sais pas ce que je peux dire d'autre. On va arrêter la séance. Merci à Irène, merci à Sylvain de nous avoir accordé cette petite conversation privée. C'était très instructif, merci beaucoup. Nous allons donc nous diriger de nous-mêmes vers la fin. Voilà, ici. Nous allons donc arrêter la séance. Et encore une fois, merci pour tout. Et vivez en paix. Et on vous souhaite bien évidemment tout le meilleur possible. Merci beaucoup.